Alléluia, 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 shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Alléluia, peuple de Dieu, le Seigneur me permet d'être encore devant vous en ce moment. Pour vous présenter ce nouveau programme et qu'il a instruit 21 nuits de prière intense. Alléluia. 21 nuits de prière intense. Toujours pour contrer les stratégies de l'ennemi. Toujours pour et combattre le plan de l'ennemi contre le réveil, contre l'église. Alléluia. Et le Seigneur dans ce programme veut vraiment continuer de rallumer la flamme, de maintenir vraiment la flamme pour que le feu ne s'éteigne jamais. Alléluia. Donc c'est dans cette idée que le Seigneur continue vraiment d'inspirer ces programmes. Alléluia. Qui vise vraiment à réveiller davantage ceux qui dorment, ceux qui ont perdu leur vie de prière, leur vie de méditation, leur vie de jeûne, tout ça là. Le Seigneur, par ce moment, alléluia, veut vraiment les réveiller pour les maintenir toujours et toujours vivants pour que leur lampe ne s'éteigne jamais. Alléluia. Donc, ce programme, c'est 21 nuits, voilà, 21 nuits de prière intense. 21 nuits de prière intense. C'est pas avec du jeûne, mais c'est prière. Mais ce sera vraiment prière de combat. Voilà, ça c'est prière de combat de nuit. Donc 21 nuits et qui commencent aujourd'hui. Alléluia. Qui commence aujourd'hui à partir de 0h. Donc ça commence aujourd'hui de 0h à 2h, de 0h à 2h. Donc tous les jours de lundi jusqu'au vendredi de 0h à 2h. Et les samedis et dimanches, ce sera de 22h à 0h. Alléluia. Donc, nous allons maintenir la flamme comme ça, contre le combat et intense pendant les 21 jours. Et je vous prie vraiment, je vous invite tous à participer activement à ce programme, à ce nouveau programme. Et je vous dis en vérité, et à la fin de ce programme, beaucoup qui n'avaient pas encore témoigné dans les autres programmes, beaucoup vont encore témoigner. Et ceux qui avaient témoigné déjà auront encore de grands témoignages pour leur vie. Je vous le dis en vérité. Donc, le programme, ça commence tel que je le dis aujourd'hui, à partir de 0h, de 0h. À 2h. Donc chacun va faire ses prières chez lui. Si vous êtes une petite famille, c'est toujours bon de prier ensemble. Alléluia. De prier ensemble. Et le Saint-Esprit
vraiment va agir au milieu de vous. Donc, le thème de ce programme de combat spirituel est le Goliath de ta vie doit tomber. Alléluia. Le Goliath de ta vie doit tomber. Le Goliath du réveil. Hein? L'homme fort qui combat le réveil. Hein? Le Goliath spirituel qui combat le réveil. Nous connaissons tous ce Goliath. Alléluia. Et qui combat ce réveil doit tomber. Mais au-delà de ce Goliath qui combat le réveil, il y a aussi chacun qui a son Goliath. Alléluia. Il y a aussi chacun qui a son Goliath. Donc, chacun doit vraiment et s'investir spirituellement, activement dans ce programme pour que le Goliath de chacun de nous puisse tomber. Alléluia. Donc, le Goliath de chaque chrétien doit tomber pendant ce programme de prière de nuit de 21 jours. Le Goliath qui combat ta vie spirituelle doit tomber. Le Goliath qui combat ta vie de sanctification doit tomber. Le Goliath qui combat ton foyer doit tomber. Le Goliath qui combat ton travail doit tomber. Le Goliath qui combat la paix dans ton foyer doit tomber. Le Goliath qui te tient en otage et te crée toutes les difficultés, ce Goliath doit tomber pendant ce programme de 21 jours de prière de combat. Vous allez prier si tu es vraiment fatigué de cet homme fort de ta vie qui te tient en otage, qui t'opprime. Ce programme, pendant ce programme de 21 jours, ce Goliath doit être désarmé, mis hors d'état de nuit et décapité. Oui, c'est ce que le Seigneur a programmé pour ce 21 jours. Et le passage biblique qui soutient ce thème, c'est le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45, dans lequel David pouvait dire aux Philistins, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est une parole de défi. C'est une parole de résistance. C'est une parole de guerre. Alléluia. Donc cette semaine, toi aussi, tu dois défier ton Goliath et tu vas le combattre par la prière et tu vas le décapiter par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons vous présenter les requêtes de prière. Nous allons le faire chaque jour, aura ces requêtes de prière. C'est sans repos. Chaque jour aura ses requêtes de prière. Donc, pour aujourd'hui, qui démarre aujourd'hui à 0h, nous allons vous présenter les requêtes de prière. En point 1, vous allez prier, remercier le Seigneur et lui confier ce moment et bénir son Saint-Nom. En point 2, vous allez prier et inviter le Saint-Esprit à être le maître de ce moment et que sa présence fasse fuir
tout esprit d'assoupissement, de sommeil et de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 3, vous allez passer quelques moments de louange et bénir vraiment le Seigneur, le temps de vous réveiller aussi, le temps de réveiller vos âmes spirituelles. En point 4, vous allez prier et rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. En point 5, vous allez prier et bénir son saint nom pour le livre de vie qu'il a ouvert à Golgotha, dans lequel, par son sang précieux, il a écrit ton nom et par la foi, celui de chacun de tes enfants. En point 6, tu vas faire la prière de repentance pour présenter tes péchés, confesser tes péchés. Et si nous le disons chaque fois nous présentons, nous parlons de prière de repentance, c'est pas que ça devient une mode de vie pour toi où tu commets les mêmes péchés et sachant que bon, le soir tu vas confesser. Non. Il faut fuir le péché. Il faut vraiment éviter de tomber dans le péché. Alléluia. C'est très important. En point 7, vous allez prier, demander que le sang de Jésus-Christ purifie ton esprit, ton âme, ton corps et tout ce qui t'appartient et qui a été souillé par une présence satanique. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 8, tu vas prier que pendant ce programme de prière, par la puissance de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que chaque participant à travers le monde entier triomphe du Goliath de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que chacun triomphe du Goliath de sa vie pendant ce moment de prière de 21 jours de nuit de combat spirituel. Tu pries ainsi au nom de Jésus. En point 9, tu vas lire le livre de Josué, chapitre 5, le verset 13 à 15. Et tu vas prier que de même que le chef de l'armée de l'Éternel, l'archange Michaël, est venu soutenir Josué, l'armée de Josué et le peuple israélien face à Jéricho, que le Seigneur l'envoie soutenir aussi le groupe Jésus revient et le réveille, et que chacun dans ce combat soit aussi soutenu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre le livre de Psaume, chapitre 88, de verset 2 à 4, qui dit: Éternel Dieu, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Alors tu vas prier avec ce passage. Que tout esprit envoyé par la reine du ciel pour faire blocage à tes prières soit paralysé et anéanti par la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tout esprit de règne du ciel envoyé
pour combattre ta prière soit paralysée et anéantie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 11, tu vas prier que tout démon de l'enfer envoyé par la reine du ciel pour faire blocage à nos prières soit paralysé et anéanti par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 12, tu vas prier que tout esprit et tout démon envoyé par le dragon pour s'opposer à ce programme soit lié et jeté dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 13, tu vas prier que tout esprit ou démon dans les eaux mandaté contre ce programme soit englouti dans le sang de Jésus-Christ. Amen. En point 14, tu vas prier avec le psaume 91, le verset 10 à 11, qui dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alors tu vas prier ainsi. « Que tout malheur de mort prématuré, préparé par le monde de Satan contre toi et ta maison, soit annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. » En point 15, tu vas prier que tous les malheurs envoyés depuis ta naissance par les esprits de famille paternelle soient annulés aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ. En point 16, tu vas prier que tous les malheurs envoyés depuis ta naissance par les esprits de ta famille maternelle soit annulé aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ. En point 17, tu vas passer quelques louanges avec des chants de combat, environ 10 minutes. En point 18, tu vas prier et demander au Seigneur d'envoyer ses anges afin de détruire sous terre, dans les eaux, dans le ciel, tous les programmes élaborés par le conseil de Satan contre ta vie. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 19, tu vas prier que par la puissance du Saint-Esprit, que ton étoile à nouveau brille comme celui de notre Seigneur Jésus qui a été vu par les mages d'Orient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries ainsi. En point 20, tu vas prier et demander au Seigneur d'envoyer ses anges arracher des mains de sorciers tout ce qui t'appartient et qui est tenu en captivité au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'appartient, que ça soit ton mariage, que ça soit ton travail, que ça soit tes projets, tout ce qui a été tenu en captivité, tout ce qui a été mis sous embargo par les sorciers, leur soit arraché par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 21, tu vas prier et invoquer le feu du Saint-Esprit dans toutes les églises Jésus revient afin de consumer tout ce qui a été planté par les sorciers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 22, tu vas prier que chaque église Jésus revient à travers le monde entier soit entouré d'une muraille infranchissable de feu venant du trône
de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 23, tu vas prier que tout sorcier mandaté pour attaquer un enfant de Dieu, de Jésus revient, soit humilié et frappé par un ange de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 24, tu vas prier que tout, tu vas prier que par la puissance du Saint-Esprit, que tout enfant de Dieu, de Jésus revient, soit équipé de façon surnaturelle pour triompher avec joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 25, tu vas prier avec le psaume 106, verset 4. Tu vas dire, Éternel, le psaume 104, le psaume 106, verset 4, lisons, qui dit, Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Ainsi, tu vas prier que pendant ces 21 jours, 21 nuits de prière, que le Seigneur se souvienne de toi et de toutes tes prières que tu lui adresses depuis ta conversion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 26, tu vas prier que pendant ces 21 nuits de prière, le Seigneur se souvienne de ton mariage ou de ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En point 27, tu vas prier que pendant ce moment de 21 nuits de prière intense, que le Seigneur se souvienne de tes enfants non convertis afin que leur cœur et leur esprit s'attachent à lui au nom de Jésus. Donc tu pries pour demander que le Seigneur touche le cœur de tes enfants et dirige leur cœur vers lui pour qu'ils puissent se convertir. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. En point 28, tu vas prier que pendant ces 21 nuits de prière intense, le Seigneur se souvienne de tous les membres de ta famille. Et tu peux les nommer, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, tes frères, tes soeurs, tes tantes, qui ne sont pas encore convertis ou qui sont peut-être dans une religion de l'enfer ou soit dans une église de la voie large. Tu vas prier que le Seigneur touche les cœurs, que le Seigneur les visite pendant ce moment de 21 nuits de prière intense et que le Seigneur les oriente vers la sainte entrée dans ce réveil. Tu pries ainsi intensément au nom de Jésus. En point 29, tu vas prier que tout Goliath du quartier de ton lieu d'habitation soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout Goliath dans ta ville, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton lieu de travail, dans ton service, dans ton marché, dans ta société, dans ton entreprise, tout Goliath qui opère, qui combat la bonne marche de tes activités, que ce Goliath soit paralysé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En point 30, tu vas prier que toute confrérie de sorciers et de satanistes dans le quartier de ton lieu d'habitation soit vaincue par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Vous savez que quand les sorciers, les satanistes se réunissent dans un environnement, dans un quartier, dans une ville, ils s'associent pour combattre les enfants de Dieu. Ils s'associent pour combattre la lumière. Quand les ténèbres se regroupent, c'est pour combattre la lumière. Donc, toi, tu vas prier pour lancer
des offensives dans leur camp, pour lancer des missiles dans leur camp. Alléluia. En point 31, tu vas prier, tu vas passer quelques moments de louange. Alléluia. Quelques moments de louange. En point 32, tu vas prier que le feu de Dieu embrasse tous les hôtels sataniques du pays où tu habites, afin d'anéantir tous les projets des esprits méchants dans le pays. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour demander que le feu de Dieu descende. Le feu que Élie a invoqué, qui est descendu, qui a consumé l'autel. Tu vas prier que ce feu descende pour embraser tous les autels sataniques, les couvents de sorcellerie dans le pays où tu habites. Si tu es au Bénin, tu vas prier que le feu du Saint-Esprit embrase tous les autels de vaudou, les autels de fétiche, les autels de sapata, les autels de serpent, les autels de rebioso, les autels de goût, les autels de tron, les autels de mamie, les autels de atigali, les autels de kokou. Tu pries pour invoquer le feu sur les autels, que tous les autels de vaudou au Bénin reçoivent le feu dévorant, qu'ils soient consumés, saccagés, détruits par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ces 21 jours, que tous les autels, que ce soit au Bénin, dans chaque pays, toi, dans ton pays, tu vas citer les esprits, les autels qui opèrent dans ton pays. Si c'est dans ton pays, si c'est la franc-maçonnerie, tu invoques le feu sur les autels de franc-maçonnerie. D'ailleurs, il y a la franc-maçonnerie dans tous les pays. Mais par exemple, dans mon pays, c'est d'abord le vaudou. Alléluia. Donc moi, je vais prier contre les autels de vaudou au Bénin. Donc toi, quand tu es, si tu es au Cameroun, tu sais l'esprit qui domine le Cameroun. Si tu es au Gabon, nous savons qu'au Gabon, c'est l'esprit de la reine du ciel. Voilà, tu pries. Si tu es en Guinée-Conakry, je ne sais quoi, le pays dans lequel où tu te trouves, tu pries contre les esprits, les autels des esprits méchants dans ce pays, les autels sataniques qui opèrent dans ce pays. Parce que quand ces autels opèrent dans ce pays, c'est pour combattre les enfants de Dieu. C'est pour combattre l'évangile. Je vous dis, tout le ténèbre sur toute la terre se réunit, c'est pour combattre un seul nom. C'est pour combattre le nom de Jésus qui n'y arrive jamais. Maintenant, derrière le nom de Jésus, ils combattent les chrétiens. Ils combattent ceux qui portent le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Mais ce n'est pas pour autant que nous, les enfants de Dieu, on va croiser les bras. Non! Nous devons combattre avec les armes de Dieu. Alléluia! C'est pour ça qu'Apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'Éphésiens, hein? Prenez les armes de Dieu. Nous devons prendre les armes de Dieu et combattre le camp de l'ennemi. Si tu ne combats pas, eux, ils vont te combattre. Mais si tu combats, tu vas à l'offensive, tu attaques, tu tires à bout portant. Ils vont aller, tu vas les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Donc tu pries le pays dans lequel tu es, tu pries contre les autels sataniques qui opèrent dans ce pays-là. Alléluia. Au point 33, tu vas prier que tous les esprits de serpents, de pitons, soient neutralisés par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En point 34, tu vas prier et invoquer le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit sur toute l'étendue du territoire du pays dans lequel tu es.
tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 35, tu vas prier que la puissance du Saint-Esprit tourne le cœur de tous les chrétiens de la voie large vers la sainte doctrine au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vous dis par exemple, quand je prends l'église des ADCEL qui fait des millions de chrétiens dans le monde, mais qui sont sur la voie large, si ces millions peuvent vraiment se convertir à la sainte doctrine, ces millions peuvent accepter la sainte doctrine biblique, accepter la sanctification. Si les leaders, les responsables de cette dénomination commencent par prêcher sur la sanctification, commencent par prêcher sur le dépouillement, commencent par prêcher, oh, la sainte doctrine, je vous dis, imaginez combien le cœur de notre Seigneur serait rempli de joie. Le ciel va danser, va sauter de joie. Imaginez le nombre de brebis qui seront rachetés du chemin de l'enfer. Mais malheureusement, ils ne le font pas encore. Mais toi, tu peux prier pour que le Seigneur touche le cœur des dirigeants, des dénominations de la voie large. Que le Seigneur touche le cœur des dirigeants des églises pentecôtes, des dirigeants des églises des AD, des dirigeants des églises MEF, des dirigeants des églises MEA, des dirigeants des églises des unions renaissantes, des dirigeants des églises, de toutes les églises pentecôtistes et de toutes les dénominations. Que le Seigneur touche le cœur de tous les prêtres catholiques pour qu'ils cassent les idoles, qu'ils détruisent les statues de Vierge Marie pour commencer par prêcher ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible. Que le Seigneur touche le cœur de ces dirigeants-là. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent ce qui est écrit ici. Mais malheureusement, il ne veut pas le prêcher. Mais toi, par ta prière, le Seigneur peut toucher le cœur de quelques-uns des dirigeants pour les amener à la lumière, pour les détacher des ténèbres de la théologie, pour les amener à la lumière. Ou soit toucher le cœur des brebis qui sont égarés et qui sont tombés dans le piège infernal de ces églises de la voie large, de ces religions de l'enfer, que le Seigneur puisse toucher le cœur pour les déconnecter de la voie de l'enfer, pour les amener sur la voie qui mène au ciel, la voie de la sainte doctrine. Alléluia. Donc, tu pries ainsi que le Seigneur touche le cœur de ces brebis-là qui sont égarés. Tu vas prier encore. Tu vas proclamer, en point 36, tu vas proclamer le psaume 91. Alléluia. En point 37, tu vas prier et remercier le Seigneur pour sa grâce, pour ce nouveau programme de 21 nuits de prière intense et de combat spirituel. Et tu vas prier, confier la nuit et entre les mains du Seigneur. Et tu vas faire prière de fin avec quelques moments de louange. Voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur nous permet encore de partager avec vous dans ce moment vraiment que le Seigneur a encore institué. Le Seigneur, il sait que nous sommes sur la terre. Je vous l'ai déjà dit que le monde des ténèbres, eux, il n'y a pas de repos. Eux, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Et tout leur travail, toute leur mission sur la terre, c'est de combattre nous, les enfants de la lumière. Et nous, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons garder le silence?
Est-ce que nous allons dire, bon, l'autre semaine, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. Donc, cette semaine-là, je vais me reposer un peu. Oh, je suis fatigué. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Non. Il n'y a pas de repos sur terre pour nous. Il n'y a pas de repos. Pas de repos. Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer de crier à Dieu. Nous devons continuer de crier, de demander le secours de Dieu par la prière et le jeûne. Et chaque fois, le Seigneur intervient dans nos situations. Regardez, parfois tu es au repos, mais tes situations ne sont pas au repos. Alléluia! Tu es au repos, mais tes situations ne sont pas au repos. Même si tu dis, bon, cette semaine, je ne vais pas prier. Donc, tu vas penser que, donc cette semaine, tous tes problèmes vont se mettre en pause. Non! Si tu te reposes, plus tu te reposes, plus tes problèmes travaillent. Plus tes problèmes sont en action. Donc, mieux vaut être au combat tous les jours. Donc, voilà, peuple de Dieu, bénissons vraiment le Seigneur qui a encore permis ce moment pour que nous puissions vraiment encore nous réveiller autrement. Et si vous l'avez déjà dit, cette fois, c'est pas le jeûne, mais c'est 21 jours de prière de nuit. En dehors de ce programme, ceux qui ont encore des programmes de jeûne peuvent, en plus de ce programme, peuvent faire aussi leur jeûne tout en respectant aussi les horaires de ce programme-là. Alléluia. On a l'habitude de dire que trop de viande ne gâte pas la sauce. Alléluia. Donc, trop de prières ne gâte rien dans ta vie. Au contraire. Alléluia. Au contraire, tu fais la volonté du Seigneur quand tu pries trop. Parce que la Bible dit de prier sans cesse. Donc, prier sans repos. Alléluia. Soyez en prière sans repos. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, je veux te bénir encore pour ce programme. Pour ces requêtes, Seigneur, je te prie, Papa, de soutenir tes enfants, tes brebis, tous tes serviteurs et les ouvriers, chacun à son niveau, qui vont vraiment prendre à cœur ce programme de 21 jours et qui vont prier réellement. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, de les exaucer. De les exaucer. Seigneur, il y a beaucoup de tes enfants qui traversent toujours des moments difficiles. Seigneur, je prie, Papa, pendant ce programme de 21 jours, Seigneur, à la fin de ce programme de 21 jours, que tous tes enfants, à travers le monde entier, témoignent que tu as fait vraiment quelque chose de grand dans leur vie. Seigneur, que le Goliath de leur vie, que les combats jour et nuit, Seigneur, que ce programme de 21 nuits ne finit pas. Qu'ils voient de leurs yeux que leur Goliath est tombé. Que la situation qui les tourmente, que cette situation est anéantie. Que la situation qui les maintient dans les oppressions, que cette situation est anéantie. Seigneur Jésus, ceux qui ont des problèmes dans leur service, qui sont persécutés par des collègues qui ne veulent pas les voir dans ce service. Seigneur, je te prie, au bout de ce programme de 21 nuits de prière intense, Seigneur, que le programme ne finit pas, que tous ceux qui persécutent, qui veulent conduire tes enfants au licenciement dans leur lieu de service, Papa, que ce qui est arrivé à Aman contre Madoché arrive, Seigneur, pour que tes enfants témoignent. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Papa, soutiens ton peuple dans ce moment encore de combat. Soutiens chacun de nous, Papa, et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait. Jésus a tout fait, le roi des rois.
Il a tout fait. Il t'a écouté. Il t'a écouté. Jésus t'a écouté. Le roi des rois. Il t'a écouté. Il t'a entendu. Il t'a entendu. Jésus t'a entendu. Le roi des rois. Il t'a entendu. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Jésus t'a libéré. Le roi des rois. Il t'a libéré. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Jésus t'a délivré. Le roi des rois. Il t'a délivré. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Et je prie vraiment de prier comme ça se doit. De prendre à cœur ce programme de 21 nuits. De prière intense et de combat spirituel. Et vous verrez le grand combat que le Seigneur, l'Éternel des armées, va mener dans votre vie. Et je vous dis, beaucoup, je souhaite, mon grand souhait, c'est que 100% de ceux qui vont participer à ce programme puissent témoigner. Il y a forcément quelque chose qui te tient à cœur. Je te dis, fais ce programme de 21 nuits de prière, 21 nuits no limit, de prière intense. Et tu vas témoigner. Je te dis la vérité. Déjà, je vais vous demander que tous ceux pendant ce programme et qui reçoivent vraiment, qui expérimentent une grâce, un miracle, une visitation spéciale du Seigneur pendant ce programme, vous devez aussi témoigner. C'est très important. Le témoignage même, c'est une dette obligatoire. Alléluia. Ce que le Seigneur t'a fait, tu dois aller dire. Vous allez voir dans la Bible, chaque fois que le Seigneur guérit quelqu'un, il va lui dire, va te montrer à ta famille, c'est-à-dire, va témoigner ce que Dieu t'a fait. Donc, si tu ne témoignes pas ce que Dieu t'a fait, dans ce réveil, dans ces moments de prière intense et autres là, c'est aussi une dette. Tu dois restituer. Donc, tu dois vraiment témoigner. Donc, pour envoyer vos témoignages, il faut envoyer par WhatsApp. Que ça soit en écrit ou en audio. Donc, tu nous envoies ça sur les numéros officiels du groupe Jésus Revient 00-200-29-97-25-35-39 et 00-200-29-94-33-69-05. Donc, vous envoyez les témoignages sur ces numéros et nous allons les partager pour vraiment édifier et édifier ceux qui ne croient à rien. Ceux qui sont toujours tapis dans les ténèbres, que vraiment ces témoins puissent les éclairer. Gloire à Jésus-Christ. Shalom à vous. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Merci beaucoup.